Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une leçon d'orthographe, identifier le son R. Alors, E peut se prononcer R, regardez, lorsque à côté il y a deux consonnes. Regardez, deux consonnes. Belle, il n'y a pas d'accent. Deux consonnes. Belle, A-I, E-I, E accent grave, E accent circonflexe. Tout d'abord, un petit rappel. Le son R peut s'écrire de différentes manières. En début de mot, A-I, M-E, E, espoir. Regardez la consonne, espoir. Ici, nous avons élève. Élève. Alors, élève, ici, E aurait dû être en rose. Ce n'est pas ça, mais élève. Regardez, accent grave. À l'intérieur du mot, E, ferme. Regardez, accent grave, crème, A-I, fraise, E, accent circonflexe, fête, E-I, beignet. Alors, ici, c'est à l'intérieur du mot. Regardez bien l'orthographe. À la fin du mot, devant une consonne muette. Regardez, A-I, le lait, T, c'est une consonne muette. Je jouais, regardez, consonne muette. Je ne la prononce pas, je ne l'entends pas. Je jouais, elle mettait. À la fin du mot, devant une consonne double. Elle, nouvelle. S, princesse. Et, trompette. N, gardienne. Alors, on entend est, mais regardez, ici nous avons double consonne. Première activité, classe les mots suivants dans le tableau. Nous avons des mots, regardez, nous allons les classer dans le tableau. Alors, fraise, A-I, nous allons chercher ici, A-I, regardez, le voilà. Alors, j'écris ici, fraise, le son S écrit A-I. Assiette, regardez ici, nous avons assiette, E, double consonne, alors E, plus double consonne ici. Nous avons aussi neige. Regardez, E-I. Alors, je cherche E-I. Le voilà et j'écris neige. Nous avons respect. Respect. Alors, respect, nous avons E plus la consonne. Donc, on l'écrit ici, regardez, respect, respect, il y a le E, je le prononce E, respect, forteresse, regardez, E, double consonne, forteresse, alors ici, forteresse, fête, faites, regardez l'accent circonflexe. Alors, ici, dans cette colonne, faites. Nous avons aussi aigle, A-I. Alors, ici. Nous avons laine, aussi. Laine. Nous avons il fait. Alors, ici. Il fait sirène, accent grave, et belle. Regardez, elle, E, double consonne. Alors ici, on a trouvé sirène, respect, fête, fraise, aigle, laine, il fait, neige, assiette, forteresse et belle. Pour la deuxième activité, nous devons barrer l'intrus. Barre l'intrus. Alors regardez, frère, père, mère, trésor. Bien sûr ici, accent grave, accent grave, accent grave. Ici, accent aigu. Donc, voilà l'intrus. Belle, chaîne, fête, tête. Regardez, accent circonflexe. Circonflexe, accent circonflexe, E, double consonne,
Voilà l'intrus. Neige, geste, reine, enseigne. Regardez ici. E-I, E-I, E-I. Donc, voilà l'intrus. Serviette, poulette, courgette, achète. Regardez. E double consonne, E double consonne, E double consonne et l'accent l'accent grave, pardon. Voilà l'intrus. Alors, nous avons barré trésor, belle, geste et achète. Troisième activité, je complète avec AI, EI, E accent et grave, E ou accent circonflexe. On est mercredi, regardez ici, mercredi, j'écris la lettre E, nous avons la consonne, mercredi, je dessine, regardez, double consonne, j'écris E, une baleine, la baleine avec E, I. Ma mère, attention ma mère, accent grave. La plupart l'écrivent avec l'accent aigu. Non, ma mère prépare des crêpes. Accent circonflexe. J'aime, c'est le verbe aimer avec AI. J'aime bien le lait. AI, chaud. Alors chaud ici, vous rectifiez, s'écrit avec la lettre D. Chaud, ce n'est pas avec la lettre T. Le lièvre. Accent grave. Joue dans la neige. E, I. Mon frère, bien sûr, l'accent grave. Adore les fraises. A, I. Et les raisins. A, I. Alors, regardez, on est mercredi. E. Je dessine. E. Une baleine. E, I. Ma mère, accent grave. Prépare des crêpes. Accent circonflexe. J'aime. A, I. Le lait. A-I, chaud, le lièvre, E accent grave, joue dans la neige, E-I, mon frère accent grave, adore les fraises, A-I, et les raisins, A-I. D'accord. Pour la quatrième activité, ajoute l'accent qui convient sur la lettre E, quand c'est nécessaire. Tu as fait un joli dessin. La fermière se lève tôt. Regardez, la fermière. Se lève, accent grave, se lève tôt. La chèvre de Monsieur Seguin est courageuse. Chèvre, accent grave. Mon grand-père, accent grave, joue aux boules. Ma grand-mère, accent grave, fait de la natation. J'ai mal à la tête, accent circonflexe. Il a une nouvelle veste. Et une casquette, regardez ici, consonne, double consonne, je ne mets aucun accent rouge. Nous sommes toujours prêts, accent circonflexe. J'ai fait un mauvais rêve, accent circonflexe. Mon espoir est de jouer dans l'équipe nationale. Mon espoir est de jouer dans l'équipe national. Alors ici, équipe, ils ont oublié l'accent aigu, mais ce n'est pas notre leçon. Alors vous pouvez mettre ici l'accent aigu, mais ce n'est pas dans la leçon. Pour l'activité écrit, observe le dessin et écris deux phrases. Utilise les mots fermière, chèvre, traire et lait. Regardez la fermière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle traire. Alors, traire, c'est le fait, regardez, de prendre du lait de la chèvre, d'accord? Traire la chèvre. Alors, on peut écrire la fermière, accent grave, est en train, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de traire la chèvre. Elle est en train de traire la chèvre. Elle va faire du fromage. Elle va faire du fromage. Elle va faire du fromage. La fermière est en train de traire la chèvre. Elle va faire du fromage avec son lait. Avec
sans lait. Bien sûr, le lait de la fraîche avec son lait. Ou bien, avec le lait, elle va faire du fromage. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.